Et salut la team, c'est Denayer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Path. Donc là on est parti pour finir enfin l'émission de Sanji, donc le niveau 45 là, l'émission au niveau 45. Et c'est parti. Donc sans plus tarder, on commence direct. Là vous avez vu ici, donc la première mission, ce sera affiner 50 fois les cartes de support. Ça va être vraiment difficile les gars, parce que franchement pour les affiner c'est chaud. Donc pour affiner les cartes c'est bien ici, dès qu'elles sont 2 étoiles je le rappelle. Vous allez sur le troisième onglet et là vous pouvez les affiner. Et il va falloir faire ça 50 fois les gars. 50 fois, vous imaginez. Vous en avez que 8 par semaine. Comment vous les avez? C'est en faisant tout simplement la guerre de guild de le samedi de 14h à 14h30. Et vous récupérez ici par message 8 fioles. Donc vous imaginez, 40 fois ça va mettre un bon moment quoi. Là on a un peu de chance, c'est que sur l'émission précédente on en récupère. Donc là vous avez vu, on en gagne quand même 15. Ça va nous aider. Avant, je sais plus si on en gagne. Ouais, on en gagne quand même quelques-unes. Et avant ça, je pense pas. Non. À partir de 35, on va pouvoir récupérer au moins 20 avec les missions 35 et 40. Ça va un peu nous avancer, quoi. Donc, en gros, il faut récupérer 30 fois, quoi. Donc, si on regarde bien, les gars, vous en avez donc 8 par semaine. On va en compter que 30 parce que vous en avez 20 entre les missions 35 et 40, là. Donc, en gros, si vous en avez 8 par semaine, on va dire qu'il vous faudra attendre 4 semaines, quoi. En 4 semaines, vous en aurez 32 et vous pourrez, en gros, il faut 4 semaines pour finir la quête, quoi. Ok, pour la suite. Le deuxième, là, avec le ticket, bon, je vois le titre 13, à force de les faire, je les connais. En gros, ce sera finir l'histoire sans fin niveau 13. Le voyage sans fin, en fait, c'est les quêtes en bleu. Donc, soit vous passez, donc comme je vous ai dit avant, tout en bas, là, vous cliquez et ça vous amène directement. Ou soit vous cliquez ici sur le gouvernail, hop. Donc c'est bien, c'est pas les quêtes en jaune, ça c'est l'histoire principale, c'est les quêtes en bleu. L'histoire sans fin numéro 13, je pense que ce sera vers ici là, un truc comme ça. Ouais, bon 13, j'ai trouvé du premier coup encore. J'avais déjà trouvé du premier coup sur l'ancienne vidéo. Donc c'est le niveau 6 du deuxième onglet. Vous finissez ça et ça vous valide la quête. Ok, donc pour la suite, là avec le gouvernail, généralement gouvernail ça va être la mission avec le bateau là. En gros, ce sera la mission d'exploration en gros. Mission d'exploration niveau 12. Vous allez ici, deuxième onglet, là où vous avez l'icône avec votre bateau, et en fait vous allez devoir faire ici le monde numéro 13. En gros vous avez eu là, je suis au 21, dès que vous aurez fait le 13, ça vous validera la quête. Pour la suite, 45, ça sera sûrement les livres, ça c'est les... Ok je vois, c'est la chasse au trésor en amont. Donc ça c'est terminé 30 fois la chasse au trésor en mer niveau 5, donc ça c'est les donjons en fait, vous allez ici... Donjon, et en fait vous faites ici 30 fois, vous devez terminer 30 fois le niveau 5. Hop, hop. Pour la suite, donc pour la suite ici, vous avez votre coffre ici, très intéressant au corps, une carte légendaire directe, quoi, en or. Donc pour cette mission là, il va falloir terminer 4 fois l'île sans fin niveau 6. Ça va déjà devenir un peu plus compliqué parce qu'il va falloir avoir un bon CC de boxe, les gars. En fait, c'est ici l'histoire sans fin. Et le niveau 6, donc 4, 5, 6. Ok, 6. Il va falloir minimum 18 000 de puissance, les gars. Après, vous n'êtes pas obligé de faire celui-là. Vous pouvez faire soit couleur jaune ou couleur rouge. Vous voyez là, vous avez votre personnage le plus puissant, généralement les SS. Et vous essayez de le faire 4 fois donc avec votre personnage le plus puissant. Ok, une fois que ça c'est fait, les gars. Une fois que ça c'est fait, hop, ici juste en dessous, 300 000 points, ça ce sera pour les boss, ça, en gros. En gros, vous allez ici, en bas, tac, cette icône que vous pouvez faire 4 fois, il va falloir marquer 300K points là, 300 000 points de dégâts sur le défi des boss. Hop, on descend encore. Donc, celle-là, j'ai ma vidéo qui pop en même temps. Ok, donc celle-là, il va falloir finir la tour d'Impel Down, étage 15. Donc pour celle-là, en gros, il faudra finir le niveau d'Impel Down complètement. Vous faites les 3 niveaux complètement et ça vous validera la quête. Ça, c'est bon. Donc juste en dessous, là, on a un ticket d'invocation. Donc pour ce ticket, il faudra avoir 3 personnages avec 15K minimum en puissance en fait. Donc là, ici, vous avez vu, là j'ai 24 000 de puissance, il faudra 3 personnages avec 15 000. Voilà, genre ce personnage-là,
Vous avez 3 personnages dans votre box à 15 000, ça vous valide la quête. Hop, juste en dessous, 15 000. Ok. Donc, pour cette quête, il faudra posséder 4 cartes support 4 étoiles. Ça va devenir un peu plus compliqué, quoi. Donc, quand vous allez ici, voilà, il faut des cartes 4 étoiles. Je crois que c'est au niveau 50. En gros, il vous faut... Hop, est-ce que j'ai une petite carte niveau 50? Ouais, j'ai déjà les limit break, en gros. Faut en avoir, hop. Ah, voilà, niveau 50. Bon, il est niveau 45, mais en gros, j'ai débloqué 50. Faut juste que j'ai les ressources pour la mettre 50. Dès que vous aurez, vous posséderez 4 cartes niveau 50 de support, là. Donc, c'est bien les cartes ici, pas les cartes ici. Dès que vous aurez 4 cartes de support niveau 50, vous débloquerez la mission, en gros, numéro 9. Ensuite, pour la suite, les gars... On descend. Donc ce sera ici les gars pour la dernière mission. Donc pour la dernière mission, il faudra en fait terminer l'exploration à 50% sur 5 îles. Donc en gros, l'exploration, vous allez ici sur le petit logo avec la carte. Et il faudra que 5 îles soient terminées au moins à 50%. Pour ça, n'hésitez pas les gars, j'ai sorti quelques vidéos pour vous montrer comment explorer les îles à 100%. Si ça peut vous aider, allez-y. En tout cas, voilà les gars, donc sur ça on va terminer, et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On aura fait comme ça toutes les missions de Sanji, et puis voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, et merci d'avoir regardé la vidéo les gars.